amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tester tous ensemble les transformations interdites de tous les Skibidi sur Minecraft. Du coup, regardez les amis, il y a un Skibidi toilette avec trois têtes. Il y a également Skibidi speaker, Skibidi cameraman, le Skibidi toilette classique et pour finir les amis, TV man. Du coup, si vous avez hâte de voir toutes ces transformations, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. On va tout droit vers les 200 000 abonnés. Donc voilà, je compte sur toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Et pour cette vidéo les amis, je serai en compagnie de mon fils Rodrigue. Voilà, ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas vu. Et il sera mon cobaye dans cette vidéo. Voilà, je vais tester toutes les transformations sur lui. Du coup Rodrigue, t'es content d'être là aujourd'hui dans cette vidéo? Franchement, je suis jamais content quand je suis là, tu le sais. Ok, bah là tu seras encore moins content du coup, vu que tu seras mon cobaye comme je le disais. Et d'ailleurs les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller à la porte, puisque le facteur ne devrait pas tarder à arriver avec l'autre transformation qu'on va essayer juste après. Du coup hop, je me mets devant la porte d'entrée. Bon, il n'y a pas vraiment de porte d'entrée dans ma villa, mais par contre le truc très inquiétant les amis, c'est qu'il est presque 3h du matin déjà et le livreur n'est toujours pas arrivé. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Rodrigue, tu l'as pas vu toi par hasard? Wesh. Non, aucun signe. C'était quoi ce cri de guerre là que tu nous as fait? C'était le cacariki. Bon les amis, je crois que mon fils il est possédé, il fait des cris très très bizarres. Oh, what? Ouais, je m'attendais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Wow, regardez le livreur. Mais vous êtes sorti d'où là, monsieur? Bah, du sol. What? Mais attendez, mais vous êtes une top ou quoi là? Vous avez creusé dans le sol pour nous rejoindre ici et c'était plus simple de venir à la porte d'entrée, non? Wow, vous savez, on essaye des techniques de livraison assez originales. Ah mais oui, mais attendez, mais les amis, j'avais pas remarqué, mais il a effectivement une tête un petit peu de top, hein. Bon, dites-moi en commentaire c'est quel animal. Mais ouais, peut-être un ours également. Mais voilà, il a peut-être une tête de, top toute noire. Bon, en tout cas, monsieur, vous avez notre colis. Le colis. Ok, merci. Donc, il y a bien toutes les transformations dedans, hein? Normalement. Ok, bon, bah, ce qu'on va faire de toute manière, les amis, c'est qu'on va vérifier dès maintenant. Du coup, c'est parti. Hop, ok, regardez. On a la transformation du Skibidi à trois têtes, celui de Skibidi Speaker, celui de Skibidi Cameraman, celui de TV Man et celui de Skibidi Toilette, les amis. Du coup, tout est au complet, c'est good. Bon bah écoutez, monsieur, on va vous laisser, nous, hein. Ouais, par contre, évitez de creuser comme ça dans ma villa, hein. C'est pas vous qui repayez les murs après. Allez, bientôt. Ouais, je regardais, il est en train de creuser là-bas maintenant. Bon, bref, on va pas s'occuper de ça. Nous, on a plus important à faire. Du coup, c'est parti, Rodrigue. On va se rendre à l'endroit où on teste toutes les transformations comme d'habitude, c'est-à-dire dans la forêt derrière chez moi. Et d'ailleurs, les amis, en attendant qu'on arrive à cet endroit, n'hésitez pas également à mettre un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo. Combien de pouces bleus, Rodrigue, en vrai, vu que ça fait longtemps que t'es pas venu dans une vidéo, là? Combien de pouces bleus pour toi? 350 pouces bleus. Ah mais attends, mais c'est un peu trop simple, hein. Bon, moi je vais augmenter à 700 pouces bleus les amis, je compte sur vous. Mettez 700 pouces bleus si vous avez hâte de voir les transformations. Et d'ailleurs dans cette vidéo il n'y en a pas 4 mais 5. Du coup ce qu'on va faire les amis, c'est que pour la première, on va également en donner une à Rodrigue et on va faire un combat à deux, voilà, pour voir lequel est le plus fort. Alors, Rodrigue, t'as le choix, soit entre Skibidi Speaker, soit entre lequel on va choisir. Bah, je pense qu'on va prendre Skibidi Toilette. Lequel tu choisis en vrai, Rodrigue, parmi les deux? Je sais pas, le plus beau gosse. Le plus beau gosse, bah je sais pas. Bon, restez-moi, quoi. Ils sont pas vraiment beaux gosses. Bon, après, voilà, Skibidi Speaker, il a une tête d'enceinte. Donc, je sais pas si t'as envie de ressembler à une enceinte. Et Skibidi Toilette, il a une tête qui fait très très peur. D'ailleurs, regardez son sourire là, ça fait super flipper. Donc, lequel tu choisis, Rodrigue? Vas-y, balance Speakers. Ok, tiens, je te donne Speaker. Et moi, du coup, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais me transformer en Skibidi Toilette. Bon, Rodrigue, on le fait en même temps. T'es prêt? Allez, je 3, 2, 1,
C'est parti les amis, on se transforme. Ok, c'est bon les amis, ça a l'air d'avoir fonctionné. Regardez, je suis en skibidi toilette du coup. Alors, regardez, mon fils Rodrigue, il est également en skibidi speaker. Wow, attendez, mais c'est trop stylé par contre les effets qu'il a lui. Bon, moi également, j'ai un parchemin les amis. On va le tester directement, voir un peu ce que ça fait. C'est parti. Ok, ah bah ça n'a absolument rien fait, super. Bon en tout cas, j'ai une épée en diamant, ainsi qu'un arc et des flèches. Et j'ai également d'autres effets comme force 4 du coup. J'ai également régénération 4, ouais ça peut être intéressant si on fait un combat. J'ai également résistance au feu 4 et un bonus de vie. Ah ouais, j'avais pas vu les amis, regardez, j'ai carrément 3 barres de cœur. Voilà, donc ça veut dire que j'ai 30 cœurs de vie. C'est une dinguerie. Ok, regardez là mon fils Rodrigue, du coup il est en train d'essayer de me jeter des flèches bizarres. Attendez, on va essayer cet effet. Il marche vraiment pas. Ah non, je crois que ça marche vraiment pas les amis. On peut pas l'utiliser. Bon tant pis, c'est pas grave. Pour le premier personnage de cette vidéo du coup, comme je l'ai dit juste avant, on va faire un combat. T'es prêt en vrai? Wow, ok c'est bon, c'est parti. Ok, regardez les amis, il me jette la foudre dessus. Bon, moi j'ai pas vraiment de parchemin pour attaquer à part un misérable arc avec une épée les amis. On va essayer de le rush. Hop, c'est parti. Bon après, ce qui est bien, c'est que je suis plutôt fort résistant. Ah, ça m'a détruit les oreilles là, j'ai plus de tympan. Ok, bon, après c'est pas ce qu'il me dit speaker pour rien les amis, hein. Il peut maîtriser le son je pense. Bon allez, il faut vraiment que je puisse l'attaquer là. Allez, viens ici toi. Ok, allez, j'arrive pas à lui coller une flèche les amis, hein. Il est vraiment très très rapide. Oh, regardez, ça a marché. Ok, je fais du coup un séisme avec le parchemin. C'est grave stylé, mais je sais pas si ça fait des dégâts en vrai. Attendez, on va essayer ça sur lui. Hop, il faut attendre que le parchemin se recharge. Allez, viens ici là, let's go. Ok, regardez les amis. Wow, ok, je fais trembler les blocs carrément. Bon, allez, viens te battre là si t'as un hub. Skibidi speaker, enfin plutôt mon fils du coup. Allez, let's go, allez. Ok, ouais, il fait quand même pas mal de dégâts, mais je régène assez vite. Ok, regardez, ça me fait des dégâts, mais ouais, je régénère instantanément. Allez, viens, viens sur la terre là, si t'es un dove, reste pas dans l'eau comme ça. Par contre les flèches, j'ai l'impression que ça lui fait aucun dégât les amis, elles passent carrément au dessus de lui, c'est très très bizarre. Allez là, allez, rejoins la terre ferme là, dépêche toi ok. Wow, what, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok les amis, j'ai réussi à lui mettre un coup d'épée, je l'ai one shot je crois. Ok, bon bah mon épée est surpuissante. Bon après j'ai force 4 les amis, mais what, ah ouais ça l'a one shot carrément. Et franchement très très puissant ce qui est toilette, mais après le seul inconvénient c'est qu'il faut être de près. En tout cas les amis, la transformation est en train de se dissiper, mais vous inquiétez pas, voilà il en reste encore 3, on va les essayer juste après. Et du coup ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se retrouver en Ryzen pour tester ces autres transformations. Du coup à tout de suite. C'est bon les amis, je suis de retour en Ryzen, et d'ailleurs mon fils est également de retour en Rodrigue malgré qu'il soit mort en skill speaker. Ok c'est bon, wow t'as atterri de loin là en vrai. Bon du coup pour ce premier combat, en vrai c'est moi qui ai gagné hein Rodrigue. Toi t'étais assez puissant, mais moi j'étais très très résistant. Du coup voilà, les choses, enfin les effets que tu me jetais dessus en vrai ne me faisaient pas tant de dégâts que ça. Et moi voilà, le seul inconvénient que j'avais, c'est que je pouvais pas trop tirer de loin. Mais avec mon épée surpuissante, voilà, j'ai pu te tuer en un coup. Bon bah du coup ce qu'on va faire les amis, c'est que cette fois-ci je vais continuer les transformations tout seul. Et mon fils Rodrigue sera tout simplement mon cobaye. Mais vous inquiétez pas, il a des armes sur lui pour se défendre. Du coup voilà, on continuera les combats. Et du coup c'est parti pour cette deuxième transformation. Je vais tout simplement me transformer en Skibidi Cameraman. Bon on l'a déjà vu, mais peut-être que là ça sera un peu différent. Du coup vous êtes prêts les amis? 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Ok c'est bon les amis, regardez, je suis du coup en Skibidi Cameraman. Let's go. Donc oui, comme je le pensais, on a effectivement des caméras. Du coup ce qu'on va faire dans cette partie les amis, c'est que on va tout simplement surveiller mon fils. On va mettre des caméras un petit peu partout. Hop, je vais essayer d'en mettre une juste ici sans qu'il me voit. En vrai j'ai des parchemins également, on va essayer ça juste après. Hop, je vais juste brancher toutes les caméras les amis, et on va voir un petit peu ce que fait mon fils en
en attendant, je vais juste après lui dire, les amis, que en gros, il faut que je parte parce que voilà, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Sauf que voilà, je vais juste me cacher et il me verra pas. On va voir ce qu'il fera quand il sera tout seul, les amis. On va en mettre une dernière dans l'arbre, juste là. Regardez, hop, elle est un peu cachée, c'est nickel. Et du coup, voilà, on va regarder vite fait les parchemins qu'on a. Alors, on a un parchemin d'invisibilité. Ok les amis, oh là là, c'est trop cheaté ça. On va pouvoir se cacher, voilà, mon fils ne me verra pas et on pourra rester juste à côté de lui. On a également un parchemin de nyctalopie. Alors on va essayer ça tout de suite les amis. Ok, wow, regardez, ça nous a mis une vision nocturne, ça veut dire qu'on voit beaucoup mieux dans la nuit. Et on a également un parchemin d'accélération temporelle. Ok, what? Oh là là les amis, c'est giga stylé, regardez. Je peux tout simplement changer le temps, là il fait jour actuellement. Mon fils il doit se demander mais qu'est-ce que c'est que ce délire. Bon, on va retourner la nuit les amis, c'est beaucoup mieux. Hop, regardez, le soleil est juste là. Il va devoir arriver tout là-bas. Bon, ça prend quand même un petit peu de temps hein, de faire passer une journée entière les amis. Hop, let's go, let's go, let's go. Ok, c'est bon, là on retombe dans la nuit. Eh mais c'est vraiment trop cheaté hein. Ok, c'est bon, on va se remettre à 3h du matin, c'est-à-dire ici. Ok, c'est bon, nickel. Et j'ai également un parchemin de trou noir. Alors ça, je ne sais pas du tout, ça sert à quoi les amis. À mon avis, je pense que si on s'approche trop, on se fait aspirer tout simplement. Bon, du coup, je vais aller prévenir mon fils les amis, et on va voir ce qu'il fait. Oh, Rodrigue. Wow, ouais. What, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Wesh, oh regardez, il a le bouclier de Captain America, c'est trop stylé. Bon Rodrigue, je reviens, j'ai un truc urgent à faire, d'accord? Je vais aller le faire en skin dit caméraman, mais c'est pas grave. Ok, c'est parti les amis, vous êtes prêts? On se met en invisible, let's go. Et on va regarder un petit peu les caméras, voir ce qu'il fait. On va se brancher sur la une les amis. Bon, pour l'instant on le voit, il est en train de jouer avec son bouclier de Captain America. D'ailleurs il en a complètement rien à faire que je sois parti en vrai hein. Hop, alors on va se brancher sur les autres. Ok, on le voit également sur celle-là. Bon, pour l'instant il se passe rien. What? Attendez mais... Ouais. Wow, il y a Rick, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce délire? Éteins la marchandise. Ouais, attends, je te donne les billets. Attendez, mais what? La marchandise? Mais comment ça? Quelle marchandise? Wesh. What? Attendez les amis, mais je suis en train de rêver là. Il y a Rick qui est en train de donner des bières à mon fils. Attendez, on va aller les rejoindre en invisible pour être sûr. What? Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font là? Wesh. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais attendez, mais mon fils il a pas du tout l'âge pour boire des bières. Ok, bon, on va attendre que les fesses se dissipent les amis. Et on va les gronder tous les deux là, parce que c'est n'importe quoi là ce qu'ils font. Hop, allez, l'effet est fini dans 5 secondes. Oh Rick là, qu'est-ce que tu fais là? Wow, je vais te faire aspirer par un coma. Mais t'es malade, t'es malade. Pourquoi tu donnes de l'alcool à mon fils toi? Mais c'est pas de la bière. Comment ça c'est pas de la bière? Ça se voit mais que c'est de la bière. Mais c'est de la bière sans alcool, regarde, par toi-même. Ah, c'est de la bière sans alcool. Ah oui, effectivement les amis, il y a écrit 0% sur la bière. Mais pourquoi Rodrigue, tu fais semblant d'être bourré là alors? Parce que je suis le genre de mec en soirée qui prend de l'eau et qui suis pété. Quelle soirée Rodrigue, t'as même pas l'âge pour aller en soirée. Bon, en tout cas les amis, ça me rassure. Voilà, c'était juste des bières sans alcool. J'ai eu très très peur hein. J'ai failli t'insulter là Rick en vrai. D'ailleurs c'est bien que tu te sois mis aux bières sans alcool et que tu ne bois plus d'alcool. Parce que oui les amis, l'alcool c'est très mauvais pour la santé. Du coup, en tout cas voilà, c'était plutôt cool d'être en Skibidi Cameraman. Du coup, hop, regardez, on va tester un peu toutes les autres caméras. Ok, bon franchement c'est stylé. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on se retrouve une fois que je suis en Razon pour tester les deux dernières transformations de cette vidéo. Du coup, à tout de suite. Ok, c'est bon les amis, je suis de retour en Razon. On va pouvoir aller rejoindre mon fils Rodrigue et Eric qui sont juste là-bas. Bon, du coup, il reste encore deux transformations, celle du Skibidi à trois têtes, les amis. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez la voir, puisque juste avant, on va se transformer en TV Man. Vous êtes prêts, là, vous deux? Ouais. Ok, bon, 3, 2, 1. Du coup, c'est parti, les amis, je me transforme en TV Man. Let's go! Ok, c'est bon les amis, regardez, du coup je suis en TV Man, let's go. Alors regardez ce qu'on a dans notre inventaire. On a déjà des grenades les amis. Alors on va essayer ça directement. D'ailleurs je peux voler, c'est assez stylé, regardez. Wow, ok, c'est trop bien. On va tester les grenades les amis, c'est parti, let's go. Voir ce que ça fait.
attention. Waouh, aïe, mes yeux. Ok, ça fait super mal aux yeux. Bon, TV mal, les amis, apparemment. Voilà, il éblouit. Du coup, on a également aussi des parchemins. On va tester ça tous ensemble. Ok, regardez. Waouh. Ok, on peut charger les gens. Ah, mais c'est beaucoup trop bien, regardez. Waouh, comment je vais super vite comme ça. On va charger Rick. Ok, waouh, les pauvres là, ils sont en train de prendre cher. Bon, on a également un parchemin de châtiment céleste. Alors, ça sert à quoi ça? Waouh, regardez, ça fait un méga éclair. Ok, je sais pas si ça fait des dégâts. Ouais, je crois que Rick est en train de souffrir. Oh, d'ailleurs, regardez, il est en train de brûler là. Oh là là, mais hey, c'est surcheaté. On a également un parchemin impulsion de foudre. On va essayer ça tout de suite. Ça fait juste des trucs au sol, ça c'est pas terrible je crois. Et on a également un parchemin de flèches de foudre. Ok, on va en jeter sur Rick les amis. Ok, oh, il doit prendre très très cher là Rick. Bon, mon fils il a pas voilà, il a pas souffert encore assez je pense. On va le rush avec ça les amis. Hop, et on va lui jeter ça dessus. Let's go. Ok, wow, regardez, ça va carrément dans l'eau même. Wow, c'est une dinguerie. Bon, on va arrêter, sinon mon fils va se noyer, les amis. Ok, eh ben franchement, c'est incroyable, TVman. Bon, on va claquer plein de grenades, les amis, regardez. Ils vont être éblouis dans 2 secondes. Ok, mon fils ne voit plus rien, je pense. Rick, par contre, lui, il voit encore. Il a réussi à s'échapper des grenades. Allez, viens là, Rick, dépêche-toi. Let's go, let's go, let's go. Tu vas manger ta grenade flash. Ok, on se croit dans Call of Duty, les amis, c'est n'importe quoi. Hop, ok, bon, tant pis. On va faire le parchemin de charge sur lui. Let's go, let's go, let's go. Ok, regardez, ça le fait voler dans tous les sens, le pauvre Rick. Hop, on va utiliser ça. Je veux plus faire de vidéo avec toi. Il est parti où? T'es où, Rick? Je veux plus faire de vidéo avec toi. Wow, ok, Rick, il veut carrément plus faire de vidéo avec moi. Bon, t'en fais pas, là, t'as bientôt fini de souffrir. En vrai, Rick, t'as été capable de venir ici nous faire une blague. Maintenant, voilà, tu vas assumer les conséquences. Wow, regardez, wow. Il a carrément disparu, Rick, les amis. Je crois qu'il s'est fait désintégrer par mon parchemin. Ok, bon, en tout cas, voilà, TV Man, c'est dinguerie. Ce qu'on va faire, du coup, c'est que on va arrêter avec lui pour cette vidéo. Et on va tout simplement passer à la dernière transformation. Du coup, je me remets en Ryzen. Et on va tester tout ça, du coup, à tout de suite. Ok, c'est bon, je suis de retour en Ryzen. On va aller rejoindre les autres. Ok, il y a Rick qui est juste là-bas. Mon fils est derrière. Bon, du coup, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la dernière transformation? Eh, Rodrigue, t'es prêt en vrai? Eh, franchement, non. Ok, bon, bah, ça tombe bien, puisque, voilà, je vais me transformer. Ok, on va découvrir ça tous ensemble. C'est la première fois que je vais utiliser cette transformation en vidéo, les amis. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... C'est parti, let's go! Ok, c'est bon, les amis, je suis en Skibidi à 3 têtes. What? Mais attendez, mais je suis pas du tout en Skibidi à 3 têtes, en fait. Là, on est 3 Skibidi, c'est quoi ce délire? Ok, les amis, je pense avoir compris qu'est-ce qui va se passer. On va tout simplement faire un combat. Ok, il y a Rick là-bas, du coup, si j'ai bien compris, qui est en Skibidi Speaker. Et l'autre, le TV Man, là, ça doit être mon fils. Et là, on va devoir s'affronter pour savoir quel est le meilleur Skibidi de tous les temps. Ok, c'est parti, let's go. Wow, il y a des explosions. Ok, ils ont l'air très très chauds, les amis, ils ne rigolent pas. Bon, par contre, moi, j'ai un avantage, c'est que regardez tous les effets que j'ai résistance, régénération, résistance au feu. J'ai également force 4, rapidité, saut amélioré. Ok, clairement, je suis presque invincible, hein, les amis. Là, ils vont galérer. Ok, on va déjà s'occuper du Skibidi Speaker. Ok, c'est bon, je l'ai déjà tué, les amis. Wow, je suis super fort, il reste plus que TV Man. Bon, par contre, TV Man, il était très très chaud. On a pu tester sa transformation tout à l'heure. Du coup, alors, on va faire attention quand même. Et on va essayer de le rush avec mon épée en diamant. Puisque, je vous le rappelle, j'ai force 4. Du coup, je vais faire pas mal de dégâts. Ok, regardez, il essaye de me rush dessus. Sauf que je peux passer au-dessus de lui avec le jump boost. Du coup, ça ne me fait aucun dégât. Allez, c'est parti, on l'attaque, on l'attaque. Let's go. Ok, ok, ok. Wow, 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 wow. Ok, il a tiré une roquette. Je n'ai pris absolument aucun dégât. Hop. Bon, il est très très résistant, hein. Par contre, ok, wow, c'est bon, on a réussi à le battre, les amis. Bon, bah le meilleur Skibidi reste Skibidi Toilette. Il a vaincu, voilà, ses 2 confrères. Ok, bon, en tout cas, le combat était incroyable. Regardez tous les trous qu'il y a, les amis. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est que on va se retransformer en Ryzen. Et bah, c'est déjà la fin des transformations. Du coup, à tout de suite.
C'est bon les amis, du coup je suis de retour en Horizon. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète là, c'est que j'ai pas vu Rodrigue. T'as vu Rodrigue toi, Rick? Ouais, t'inquiète, il est rentré, il était pas mal fatigué là, les transformations, c'était compliqué pour lui. Ok, ouais, ça a dû le fatiguer effectivement. Bon bah ce qu'on va faire, nous deux Rick, c'est que Horizon, on va tout simplement aller le rejoindre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Rick? Tu veux que je te dise un truc? Tu sais, quand j'étais en TV Ban, j'utilisais des nouvelles technologies. Ah ouais? Comme l'injection. Regarde, j'ai pris les sangs des super-héros. Enfin, dans la génétique, et regarde, t'es prêt? Vas-y, fais voir. Ok, wow, attendez, mais il court vite là, Rick. Wesh, t'as vu? Attendez. Mais wesh, c'est Usain Bolt, les amis, Rick. Ok, ouais, tu cours super vite en vrai. Hein. Bon, bah en et tout regarde. Cas, ouais, fais voir. Ok, hop là. Wesh. Ah ouais, tu peux carrément... ok, sauter plusieurs blocs. Ok, c'est très très stylé. Bon, viens Rick, nous on va aller rejoindre mon fils du coup. Et bah nous les amis, on va se laisser là. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications. Comme je l'ai dit dans l'introduction, mettez également les 700 pouces bleus, voilà, si vous avez kiffé, ainsi qu'un petit commentaire pour me dire bah quelle a été votre transformation préférée. Je serais curieux de le savoir. Et en tout cas voilà, un grand merci aux acteurs ayant participé à cette vidéo. Il y avait tout simplement Nekama et Deka, leurs chaînes seront en description, allez vous abonner également, ça leur ferait super plaisir. Et moi comme je l'ai dit, on va aller rejoindre mon fils Rodrigue et on va bien dormir ensuite parce que je commence à être fatigué. C'était Horizon, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut salut.